like, wow. Hey, salut, ça va? Ouais, salut, moi j'ai... Aujourd'hui, c'est une soupe aux légumes avec une galette puis des petits muffins. Ah, est-ce que, mec, tu peux m'ouvrir ou il faut que je fasse moi-même? Il faut attendre dans environ une demi-heure. Hey, t'es minutes. Sérieuse? Ben, c'est mieux que tu en avances pour être sûr de pouvoir manger. Salut, Josie. Ça va? Ouais, toi? Merci. Sinon, ça va la vie? Pas trop mal dehors? Il fait vent frais dehors, sérieux. Mmh. Tu sais, c'est donc, ben, pour demander si tu veux dormir aussi ce soir. Oh oui, sérieux, ça ferait plaisir. Anaïs? Oui. Rien de question. Est-ce qu'on a des lits ici? Ouais, il y en reste un pour ce soir. Hein? Je vais le prendre. C'est bon. Merci. Ah, vous avez bien compris. C'est bon? Ouais. Merci. Bon ben, je refais un pied. Ok. Nous pouvons constater qu'il y a eu un décès. Ah bon? Et qui est le cadavre? Je sais pas, mais je viens de voir un portefeuille. Ah bon? Montrez-nous qui est la victime, la détective. Il s'appelle Marc. Marc? Ah bon, bizarre comme nom. Mais il s'appelle Marc et c'est écrit que il est bénévole pour l'accueil Bonneau. Ah bon? Et vous connaissez quelqu'un qui va à l'accueil Bonneau et qui assassine des gens? Est-ce que vous connaissez le coupable, madame? Non, c'est vous possible. Êtes sûre, madame? Oui, je suis sûre. Mais je vais prendre des indices pour voir s'il y a des empreintes. Ah bon? Vous pensez que le criminel était un concierge? C'est ce que nous allons voir après les échantillons des empreintes digitales. Ok, on va bien voir ça. Mais oui, si, c'était la victime qui était le concierge. Alors pourquoi il y aurait du sang? Mais quand il a attaqué, je sais pas. C'est ce que nous allons voir après toutes les échantillons et tout ce que nous allons envoyer en laboratoire. Et vous pensez que c'est qui le coupable? Je ne sais pas, mais à la prochaine. Vous êtes sûr? Pourquoi pas d'autres questions, madame? Non, c'est bon. Pourquoi pas d'autres questions? On est curieux. Donc, nous avons pu trouver qui était le criminel de la victime, Marc. C'est ce gars itinérant du nom de Roger. Mais dans les recherches, il y avait vraiment des faits bizarres, dont le fait que pour un être humain, il y avait beaucoup de poils. Il y avait des ongles vraiment pointus, rigides, solides, coupants, mais aussi que quand il allait dans un établissement le soir, tout de suite après, on entendait des bruits de loups-garous surgir de nulle part.